Mon Dieu avec nous. Crie avec béni soit l'Éternel. Crie plus fort, béni soit l'Éternel. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit toute la gloire. Nous comptons, bon Dieu, permettre que nous là encore soyons. Nous comptons parce que, bon Dieu, permettre que nous capables l'autre fois encore bénéficier la parole de Dieu par le truchement de son serviteur. Je ne dit hier soir, c'est un moment habitué à elle déjà. Habitué dans des voix ça, ou même qui sur les ondes, ou du moins, ou même capitaine, tout nous par moyen internet. Nous comptons pour nous capables de gagner un serviteur ça avec nous. Un homme de Dieu, un homme qui est marié, un auteur à succès, un auteur de plusieurs ouvrages qu'on est capable de même la presse évangélique. Pasteur Gérard Guiteau, c'est ancien doyen séminaire théologique de l'Église de Dieu en Haïti, communément appelé STED, et en même temps l'imam exécutif du comité de l'Église de Dieu. Il passe des présentations. Si pour nous prendre pour nous parler de l'Inbapfi, mais quand même, c'est serviteur ça, côté édifié, vachement édifié hier soir, et c'est lui-même à soi encore que nous avons l'heureux privilège pour nous capables d'entendre. Mandez s'il vous plaît, en applaudissant Saint-Esprit dans la vie serviteur et que bon Dieu capable de bénir. Bonne audition. Merci, Pasteur Brévillon. Encore une fois, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Amen. Nous comptons pour l'opportunité, Seigneur Abano, nous capables de tourner pour nous partager avec vous-mêmes qui ici dans le local soldat et vous-même qui écoutez nous par moyen radio lumière et par moyen internet. Nous comptons pour l'opportunité, ça, Seigneur Abano, pour nous capables de parler avec vous selon sa parole li dit. Sans nous prendre trop de temps, nous avons invité au camper, ou même qui est avec nous, et ou même qui l'a caillé, ou qui a pris un bibouto, l'ouvrir dans Matthieu 25. Et ce qui t'a approché pour lire pour nous les 13 premiers versets de ce chapitre, Matthieu chapitre 25, verset 1er, arrivé dans verset 13. Je lis pour vous. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Parole du Seigneur. Merci, rassoignez-vous. C'est autour que le Seigneur a commissionné pour me parler à quoi soit. Pas oublier l'essentiel. Vous entendez bien? Vous pouvez répéter avec moi? Pas oublier l'essentiel. Il raconte l'histoire d'une petite madame avec une petite fille. Si madame ça a été une petite fille, mais elle n'a pas de prendre soin. Elle n'a pas de moyen pour l'habiller. Elle n'a pas de moyen pour le bal manger. Et pendant qu'on rencontrait avec un monsieur, puis il avait expliqué la situation,
Monsieur a dit, ma boy yon carte. Carte sa ke ma ba oua, li gen yon adresse sou li. Ou met allé directement nan adresse ouè sou carte la. Et puis présenter ti carte sa. Automatiquement on fait ça. Y a ouvert bon entrée et ou a joindre tout ça au besoin pour ti petite fille. C'est comme ça madame là aller dans adresse là arriver le présenter carte là. Yo l'ouvri porte là, yo ba l'entrée et li saisi ouais. L'elle rentrant dedans. Li joindre tout ça le besoin pour ti petite là. Et c'est comme ça, il prend gros valise que le te pote a et puis il commence à trier sac bon pour ti moun nan. Mettez dans valise, mettez dans valise, trier mettez dans valise. A bon petit temps, le temps d'on voit qui dit porte la pral fermé. Mais pas oublier l'essentiel. Et madame nan dégagé, il fait rapide parce qu'il a annoncé porte la pral fermé. Sous trois avertissements, porte la pral fermé. Deuxième avertissement dit, porte la pral fermé. Mais pas oublier l'essentiel. Madame, continue encore. Dégagez la pour le salvagien temporan, mettez en valise. Et finalement, troisième avertissement, porte la pral fermé. Pas oublier l'essentiel. Madame, nan prend valise, elle le porte la pral fermé. Les couilles sont dehors. Mais, l'oublier l'essentiel. Si moun nan ritan dan. Apri moun fè même bagay sa, oui. Et histoire sa assemblé avec histoire vierge folio que Bible a raconté dans Matthieu chapitre 25. Yo te allé à la rencontre de l'époux. Yo te fait tout préparatif nécessaire mais yo te oublié prend l'essentiel. Yo prend lampe mais yo pas prend l'huile. Dans la Bible, l'huile c'est symbole Saint-Esprit. Et il y a plusieurs passages dans la Bible qui montrent ça. L'huile c'est symbole Saint-Esprit. Par le fait que ces vierges ont été négligées prend l'huile accompagnée avec lampe qui était la main yo a non capable d'y être négligé l'essentiel qui est la présence du Saint-Esprit. Assoyez à nous vindou, l'essentiel c'est pas l'argent mais c'est la présence du Saint-Esprit. Assoyez à nous vindou, l'essentiel c'est pas un voyage mais c'est la présence du Saint-Esprit. Nous vindou que l'essentiel c'est pas un travail, c'est pas un mariage. C'est pas tout l'autre bagage qu'autant de moun a fait folie pour yo. Mais l'essentiel, c'est la présence du Saint-Esprit. Pour nous capables de mener une vie chrétienne authentique, dans l'attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de vivre en parfaite communion avec Saint-Esprit. Et nous identifier à travers Matthieu 25, les 13 premiers versets, de ce chapitre, quatre raisons qui justifiaient l'importance présence Saint-Esprit dans la vie en croyant captant retour Christ là. Pas oublier nous dire l'essentiel c'est la présence du Saint-Esprit. D'abord, cette présence est essentielle à la vraie piété. Ou pas capable mener une vie de piété si ou pas en communion avec l'Esprit Saint. Voilà pourquoi ces vierges, la Bible caractérise de vierges folles parce que yo te gagné yon apparence de piété mais yo te négligé l'essentiel. Oui, yo c'est des vierges folles parce que dans la Bible le mot vierge là symbolise piété à pureté. Et c'est ça l'apôtre Paul te voulait que les chrétiens de Corinthe comprennent lorsque il écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2 vous le dit je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Dieu comme une vierge pure. Vierge, c'est symbole de pureté
symbole de sainteté. Alors, pourquoi la Bible caractérise ces cinq ans? Non seulement il est caractérisé aux deux vierges qui semblaient son bon bagage, mais mettons l'autre modèle, l'idiot, c'est des vierges qui folles. Des mots est folle ou est fou. Donc, folle, je l'ai dit, ils ont gagné une fausse piété, une apparence de piété. Ils ont semblé à mon bon Dieu, mais ils n'ont pas dans bon Dieu. Ils ont semblé à mon ciel, mais ils n'ont pas pour ciel. Ils ont semblé à mon qui sanctifie, mais ils n'ont pas sanctifié vrai. Ils ont semblé à mon qui a marché avec bon Dieu, mais ils n'ont pas dans bon Dieu vrai. Et si vous avez connu, puis ils font approcher, puis près. Ou pas capable de mener une vie de sainteté, une vie de piété dans le monde, ça, sous négliger l'essentiel, qui c'est relation, communion avec Saint-Esprit. Dans Romains 8, verset 9, la Bible a dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Même si robe ou blanche, si Saint-Esprit parle dans la vie ou pas pour mon Dieu. Même si mouchoir blanche avec un pile verset, si cet esprit pas habité ou le ciel pas connaît ou. Ou capable d'une apparence de piété, mais sous négliger l'essentiel, c'est temps ou a perdu. Et l'entend à vivre, je dis, il y a un pile monde qui a perdu temps. Yo. Pour apparence, il semblait au sauvé. Mais l'on approche plus près, l'on commence à vivre plus près, l'on commence à connaître qui est ce que ce sont des vierges folles. Il y a une sœur qui t'a expliqué moi, petit garçon, fais ami avec un petit fille dans l'école, et finalement, petit fille a un petit garçon, hein, il t'a voulu marier avec elle, tu n'es la menen la kaili. Et chaque temps, ti dame sa vini pour loué maman, ti garçon, hein, robe li bal sous deux pieds. Li tellement habillé de façon impeccable, ou pas gagné pour ta reprocher. Mais maman, qui sont servantes de Dieu, l'a le prié. Et puis il fait une enquête. Fille a gagné plusieurs petites, oui. Plusieurs petites, sans papa. Mais. L'apparence est souvent trompeuse. Mais vin dou a souhait ou même kap koutem de près et de loin. Pas qui t'en prenne apparence. Seul monde qui ka sonde les cœurs et les reins et qui connaît monde qui devant le qui est lié dans la réalité, c'est Jésus et Jésus seul. Et chaque décision pour le prendre dans la vie, pas prendre à partir de qui ça sac devant l'ensemble, mais consulter mon Dieu pour qu'on ait qui côtoyé. Ces femmes, ces vierges, c'était des vierges folles parce que ils ont négligé l'essentiel. Mais par contre, la Bible parlait de cinq lots et le caractérisait de vierges sages. Ils ont même pas une apparence de piété, mais ils ont manifesté une vraie piété. Et ça que t'es au force pour t'es qu'à vivre dans la sainteté, vivre une vie qui a pas pour bon Dieu, pour pas seulement paraître mon bon Dieu, mais pour vivre pour bon Dieu dans la réalité, c'est parce que yo t'es prend l'essentiel, à savoir le Saint-Esprit. Dans verset 4, nous lisons, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Yo pas seulement prend l'huile qui c'est symbole Saint-Esprit, mais la Bible a dit, yo mette l'huile en réserve dans le vase, parce que yo estime, tant que yo pral passe à tant de capable long, et pour dire la vini, mais le pas by jour, et pour dire la vini, il pas by l'heure, et pour dire la vini, il pas by date, et si tant à long, pour yo pas supprendre pendant nuit là, qui ça vous fait? Yo fait le bon dépôt. Moun ki sage, yo fait dépôt l'évangile. Moun ki sage, yo fait dépôt la prière. Moun ki sage, yo fait dépôt la parole de Dieu. Parce que gon tant pa rive, ou a besoin tande l'évangile ou pas tande. Gon tant pa rive, ou a besoin kote gen réveil ou pas joine. Gon tant pa rive, ou a besoin vin nan soldat, mais soldat pa la. Donc pendant ou joine chance, ou joine occasion, mettez l'évangile en réserve.
Yo te capable de mener une vie de piété, de sainteté, parce que Bible a dit yo te gagne avec yo l'essentiel, qui est la présence du Saint-Esprit. Or, il est écrit dans 2 Pierre 1er, verset 3. La divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ou pas qu'à mener une vie de piété sans Saint-Esprit. Ou pas qu'à mener une vie de sainteté sans Saint-Esprit. Ou pas qu'à raï péché si Saint-Esprit pas vivre dans vous. Ou pas qu'à prendre victoire sous péché si Saint-Esprit pas habiter vous. Ou pas qu'à quitter fornication si Saint-Esprit pas dans vous. Ou pas qu'à quitter immoralité si Saint-Esprit pas habiter vous. Il y a quelques défauts, quelques vices qui l'ont la vie. Ou pas qu'à remporter victoire sous vous avec force par vous. Ou besoin puissant de mon Dieu. Et c'est ça que fait nous dire à souhait. À pas oublier l'essentiel. Malheureusement, yo mal instruit nous. Yo apprend nous chercher tout bagaille. Yo apprend nous mander bon Dieu tout bagaille. Mais yo pas apprend nous prier pour nous remplir avec puissance Saint-Esprit. Gen même moun ki dou pas besoin prier pour ça parce qu'il t'est venu une fois pour toutes. Mais c'est pas ça Bible a dit. Jésus, avant d'aller le souffler sous disciples, il dit recevez le Saint-Esprit. Et même Jésus a soufflé sous eux, qui dit recevez le Saint-Esprit. Il dit restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et monsieur parle chita yapton. Bible a dit rentrez dans la prière pendant 10 jours. Et le jour de la Pentecôte, vous bruit de fête. Et puis quand elle a tremblé, puissance de mon Dieu envahie, réveil a commencé. Nous besoin puissance Saint-Esprit a. Pour mener une vie de piété dans ce monde, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Deuxième raison qui justifie l'importance Saint-Esprit dans la vie, en croyant qu'attend retour Christ là, c'est que présence ça est essentiel à un vrai réveil spirituel. La présence du Saint-Esprit est essentielle à un vrai réveil spirituel. Les vieilles folles ont été réveillées, mais physiquement. Par contre, les vieilles sages ont été réveillées spirituellement sous influence Saint-Esprit. Le verset 7 nous lit, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Mais verset 8 l'a dit, les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile. Ils ont réveillé, mais l'ample n'a pas de l'huile. Ils ont en mouvement, mais l'ample n'a pas de l'huile. Ils ont en activité, mais l'ample n'a pas de l'huile. Je dis, c'est ça, nous constatons en pile côté. Il y a un pile gros mouvement, il y a un pile gros activité, mais pas de l'huile. En pile cantique chanté, mais pas de l'huile. En pile mounak dansé, mais pas de l'huile. En pile message prêché, mais pas de l'huile. Et parce que pas de l'huile, les fin prêché, ils ont péché plus raide. Ils ont fin chanté, ils ont péché plus raide. Ils ont fin adoré, ils ont péché plus raide. Ils ont fin dansé, ils ont péché plus raide. Parce que pas de l'huile. L'ont réveillé. Mais ce n'est pas au réveil spirituel. Nous relèvons ça en cauchemar. Un cauchemar, c'est un monde qui a dormi, mais qui a levé. Il n'a pas parlé avec vous. Mais il n'a pas compris ça, il a dit. Ou quand il a habillé, il ouvre la porte, il est sorti. Mais il n'a pas compris ça, il a fait. Parce que son cauchemar, il a fait. Et c'est lendemain, si Dieu veut dire, mais ça qui est passé, il dit non, il n'a pas compris ça. Parce qu'il n'est pas réveillé, vrai. Les vieilles folles, ils ont été réveillées physiquement, mais ils n'ont pas réveillé spirituellement, parce que l'an mi-temps, nuit-temps, ils ont réalisé que l'ampe n'a pas de l'huile, mais le temps pour y aller chercher l'huile, il était trop tard. Mabdou, ça, l'église a besoin, je dis, hein, c'est un véritable réveil spirituel. Côté moun a confessé péché, côté moun a abandonné magie, côté moun a chiré livre magique, côté moun a quitté péché, côté moun a quitté drogue, côté moun a quitté fornication, côté nè qui t'est marié, mais qui t'est quitté madame, yo,
quitter pour une deuxième madame, a quitter deuxième madame non, pour retourner pour une première, parce qu'elle réalisait, il n'y a pas qu'à sauver avec les deux, il n'y a pas qu'à sauver avec deuxième, non, faut le retourner pour une première, son réveil qu'on s'en besoin. Pas de réveil authentique sans Saint-Esprit. Les vieux sages n'ont pas réveillé physiquement, mais ont été réveillés spirituellement. Parce que la Bible a dit, alors toutes ces vieilles se réveillèrent et préparaient leur lampe. Mais le verset 4 a dit, les sages prient avec leur lampe de l'huile dans des vases. Cet esprit a tenu la vie. Yo, et le Saint-Esprit, alors qu'on qui ça le fait? La Bible a dit dans Jean 16, verset 8, quand le Consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit a là, ou pas besoin de tant de pasteurs à exhorter, mais Saint-Esprit a fort qu'on nous fait ça mal. Le Saint-Esprit a là, bon regard côté bas, Saint-Esprit exhorté, bon langage côté gagné, Saint-Esprit exhorté, bon comportement côté gagné, Saint-Esprit exhorté, bon attitude côté gagné, Saint-Esprit exhorté, parce que l'île là dans la vie comme un guide, l'île là pour le convaincre ou leur faire ça mal. L'homme mon a péché, l'évangile prêché, on pas attendre, l'évangile prêché, on pas comprendre, ça a montré que on loin bon Dieu. Parce que les gens qui ont le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas manger. Ils ne peuvent pas pécher, ils ne peuvent pas dormir. Ils ne peuvent pas être gênés. Ils ne peuvent pas malades. Ils ne peuvent pas, même si vous êtes physiquement, tout le bagage semble bien pour lui. Mais en dedans, il y a un bagage qui n'est pas bien. Le Saint-Esprit est là. Il fait nous connaître un véritable réveil. Il transforme la vie nous. Et il rend nous bouillants pour mon Dieu. Dans la vallée des ossements, Ézéchiel 37, Ézéchiel était un paquet d'ossements desséchés. Il n'a pas pensé qu'il était cagé la vie pour eux. Mais l'Éternel dit prophétisez sur eux. Dit Esprit vient des quatre vents des cieux et soufflez sous ossements ça yo. L'elle commençait à prophétiser, chair entrée, peau poussée, yo campé, son amène nombreuse. Moi-même avec frère ce moi, nous étions dans la vallée des ossements, mais le ciel soufflait sous nous, lui mettait campé encore, et si vous voulez continuer à vivre pour mon Dieu, ou besoin puissant Saint-Esprit. Pas gagner la vie sans lui, non? Ou pas qu'à mener une vie à part pour mon Dieu sans Saint-Esprit. Ou pas qu'à mener une vie de victoire sans Saint-Esprit. Ou pas qu'à remporter victoire sous tentation sans Saint-Esprit. Ou pas qu'à remporter victoire sous péché sans Saint-Esprit. Nous avons besoin d'onction Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce soir nous disons, pas oublier l'essentiel. Si seulement l'Église était consacrée l'essentiel, à la bon ça t'a bon. Les 1000 moun, 2000 moun, 3000 moun, 5000 moun réunion côté. Et vous allez chercher l'essentiel. À la miracle qui t'a fait. À la diable dans le pays, ça t'a marré. À la moun qui enchaîne, chaîne t'a cassé. À la moun qui besoin de victoire, t'a joué une victoire. À la maladie qui besoin de guérison, t'a joué une guérison. Mais l'église qui t'a l'essentiel, il a cherché bagaille qui bagaille valeur. Assoyez à nous rappelons encore, pas oublier l'essentiel. Parce que pour nous qu'on a un véritable réveil, nous avons besoin de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Malheureusement aujourd'hui, lorsqu'on nous les réveils, il y a 90% transpiration, 10% inspiration. C'est le constat, pas seulement dans ce pays en Haïti, mais un peu partout à travers le monde. Et cela se comprend. Parce que nous sommes à l'ère de l'église de la Odyssée. Mes frères, mes soeurs, si vous voulez expérimenter un véritable réveil, l'important est ce qu'on rebaille cet esprit plastique dans la vie
et quitter le jouer rôle de leader, non seulement dans la vie, mais dans le foyer, dans la famille, dans l'église, dans toute sphère d'activité. Et vous regardez qui changement va opérer, vous regardez qui transformation va faire, vous regardez mon côté, on passe encore, parce que depuis Saint-Esprit a rentré, il faut que changement, il faut que transformation, il faut que bagaille changer. Pas oublier l'essentiel. La présence du Saint-Esprit est essentielle pour nous mener une vie de piété. La présence du Saint-Esprit est essentielle pour nous capables qu'on ait un vrai réveil. Mais la Bible a montré nous tout dans le texte là que cette présence est essentielle à un vrai témoignage. Les vieilles folles, ils n'ont pas de témoignage. Pour qui ça? Parce qu'ils n'ont pas de cas briller dans les ténèbres. Les rivières dans l'œuvre, ils ont brillé. L'ambio. Éteint. Combien de monde là souhaite à capter des mains lampes éteint? Et ça fait notre travail là. Les abeilles maillot carnaval y ont tout. Lampe blanc éteint. Le travail là, y a dit toute qualité vieux bagaille devant lampe blanc éteint. Le travail là, où entre dans toute qualité vieux conversation lampe blanc éteint. Côté le ciel attend pour briller ou pas briller. Côté l'attente pour un modèle ou pas modèle. Côté l'attente pour mener une vie exemplaire ou pas capable parce que l'homme l'a éteint. On l'homme qui va gagner l'huile, pas qu'à briller. Un chrétien qui pas gagner communion avec Saint-Esprit, pas qu'à gagner témoignage. Alors que la Bible a dit dans Matthieu 5, verset 14 à 16, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Lumière le monde c'est moi. Lumière le monde c'est vous-même. Lumière le monde c'est nous-mêmes. Et dans Éphésiens 5 verset 11 il est écrit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il y a quelques bagailles le monde a fait, il n'y a pas qu'à inviter la donne. Il y a quelques activités le monde, ou pas qu'à la donne. Pourquoi? Parce que ténèbres et lumière pas mariés. Il n'y a pas qu'à arrêter même côté. Depuis qu'il y a ténèbres ou seulement passer en poule là, lumière apparaît, ténèbres la chasser. Donc c'est pas deux bagailles qui carrent ensemble parce que yo incompatible yon ak l'autre. Voilà pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, ne prenez point pas aux œuvres fructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ou pas qu'à chrétien la maçon loge, ou pas qu'à chrétien la magie, ou pas qu'à chrétien qui prie monter, ou qui bac monter, ou qui chaîne monter, ou pas qu'à chrétien qui veut faire dans ce loi pour vous, ou pas qu'à chrétien ou qui mouchoua gade, qui grand-papa ou qui grand-grand ou te baou, ou pas qu'à chrétien pour l'embagage ça yo, parce que yo pas marché. Et il te dit Israël, qui l'en a roulé de bord? Qui l'en a suspendu roulé de bord? Ou pas qu'on a un bon pour l'éternel, un bon pour Baal, il n'est pas possible, non? Faut choisir. Et je vais montrer qui est pour choisir. Il est monté sous montagne là. Il est le prophète de Baal. Invoquez Baal pour le calaguer du feu sur l'Holocauste là. Monsieur, pendant toute ton journée, a fait démagogie, Baal pas kaji, les USA, les refait hôtel là, et puis il fait mettre de l'eau sous lui, et puis il dit l'éternel des armées, fait peuple ça qu'on est jodi à, que c'est où voyez, et que c'est en bas l'ordre de ma bagie. Bible a dit du feu, bon Dieu est tombé, il consume l'Holocauste là, et peuple a répondu, il dit, c'est l'éternel qui est Dieu, Haïti besoin qu'on ait, c'est pas au Gouferail qui Dieu, c'est l'éternel, c'est pas Jésus-Lui qui Dieu. C'est l'éternel, c'est pas diable que Dieu, c'est l'éternel, c'est pas diamant pas périssilio que Dieu, c'est l'éternel qui est Dieu. Voilà pourquoi moi-même avec nous besoin de continuer à briller dans mi-temps le monde pour qu'on connaît qui est ce qui est vrai bon Dieu. Témoignage ou va sauver un homme. Tes voyages ou va aider une qui t'est dans ténèbres vient dans lumière. Tes voyages ou va aider une qui t'est marré pour le capable jouer une liberté. Les vieux sages eux-mêmes ont un bon témoignage.
Yo pas seulement prend lampe, mais Bible a dit yo gen l'huile et ça permet pendant toute nuit là lampe yo été l'humain. Ou pas senti gon ténèbres qui couvre la terre jodi a. Ou besoin quitter lampe pour l'humain, attendez. Pendant garçon marié avec garçon quitter lampe pour l'humain. Pendant nèg ap marié avec poupée quitter lampe pour l'humain. Pendant mon a vivre dans l'immoralité, dans la saleté quitter lampe pour l'humain. Pendant mon a vautré, dans boubier péché quitter lampe pour l'humain. Pendant mon a souillé koyo quitter lampe pour l'humain. Dans génération corrompue ça quitter lampe pour l'humain. Et si vous pas gain présente bon Dieu, ténèbres qui l'a tellement envahissant, la bête en blanc, et ça fait notre doux frère semaine, rester sous genoux, chercher bon Dieu plus que manger, chercher bon Dieu plus que toute l'autre bagaille. Ou besoin pour qu'a gain témoignage, vous l'entendez ça. Selon la Bible, l'homme n'a pas doit jamais éteindre. Dans Lévitique 24, verset 2, à toi, l'Éternel demandait Moïse pour te construire le tabernacle. Il dit, va mettre dans le lieu saint un chandelier. Et bien ça le dit dans Lévitique 24, verset 2. Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement, pour que les lampes brûlent continuellement du matin au soir, en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. L'implanté doit rester 24 sur 24 à briller. Et chaque temps le manque l'huile, sacrificateur a pour devoir mettre l'huile dans l'implant. Parce que si l'implant éteint, si témoignage la terni, il y a un pile de gars qui a passé. Et nous, ça t'est arrivé dans l'époque que Élie était souverain sacrificateur. Bible a dit, dans le temps Élie, il était qu'on éteint l'implant. Voilà pourquoi lorsque Dieu a révélé avec le petit Samuel, le texte nous dit très clairement, la lampe du temple n'était pas encore éteinte. Ça veut dire, Élie était qu'on éteint chaque soir. Or, selon la parole, il n'y a pas de jamais éteindre. Mais qui s'est passé dans la famille Élie? Des bandades. Petit garçon a couché avec fil en templant. Yo la ge kòl dans immoralité. Yo la ge kòl dans toute vie saleté. Et Eli pa gen force à courage pour le réprimander. Les lampes lan éteint gade pendant ou même ou l'église. Et puis petit ou nan rara. Les lampes ou éteint pendant ou même ou abadore nan soldat. Petit ou en bas péristyle. Les lampes ou éteint pendant ou même ou abadore là. Et puis petit ou nan drogue. Et dans toute qualité saleté. Mais les lampes lan lumen. Les lampes lan gade li gen gaz la donne. Pendant que Timoun a fait ça, le Seigneur a boy une révélation. Le Seigneur a parlé avec pour le montrer au gen bagay qui interdit dans Kaila et faut qu'on fasse nettoyage. Bon servante de Dieu, dans Miami, Floride, il y a un petit garçon qui est enceinte en tifi. Mais le Baham dit maman ça. Mais le Seigneur a révélé maman ça. Et maman, elle est toute petite, elle dit, il y a une nous claque l'empêché. Le Seigneur montre que nous avons l'empêché. Et il me dit, oui, maman, c'est moi. Et on prend toute décision pour marier monsieur. Les lampes pour pas éteindre. Il y a saleté qui pas fait en dakaï. Les lampes pour pas éteindre. Il y a bagaille qui pas passé en dakaï. Parce que depuis que l'ampe n'est pas éteinte, le ciel a révélé ce qui a passé. Et la montre comment pour camper, pour changer ça. Tant difficile, c'est vrai, mais bon Dieu pas changé. Tant difficile, c'est vrai, mais grâce, mon Dieu toujours là. Tant difficile, c'est vrai, mais puissante, mon Dieu toujours disponible. Si nous voulons faire la différence dans le monde, ça, pour témoignage nous pas terni, nous besoin rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Et quatrième raison qui fait nous besoin Saint-Esprit, à qui c'est l'essentiel, c'est parce que la présence du Saint-Esprit est essentielle au salut. Ça, c'est très important. Le texte nous dit au verset 11, plus tard, les autres vierges viennent et disent, Seigneur, Seigneur,
ouvre-nous. Ça veut dire, porte la guette en fermé. Il y aurait des qui s'est passé yo? Lampe yo, pas de l'huile. Puisque lampe la pétaine, il y a l'acheté. Mais là, il y a tourné au joint. Porte la fermé. Frère, monsieur, moi, et pas tout le temps, nous avons un service à là. Ou même quand vous écoutez qui en face, moi, c'est pas tout le temps après le rassemblement ça qu'a fait là. Gon l'on va le besoin, loin pour aller chercher, mon va jouer. Mais là, vous trop tard. Porte la grâce là. Vous avez en fermé. Lorsque vous avez frappé, insisté, verset 12, le Seigneur répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Combien de monde là le Seigneur connaît? Pitons président et les États-Unis n'ont pas connaît. Pitons président Haïti n'ont pas connaît, le Seigneur connaît. Parce que là où bon Dieu connaît, diable connaît ça tout. Il va annoncer mon bon Dieu. Et ça fait lorsque des magiciens t'avaient dans acte 19 chasser démons dans le nom Jésus Paul là. Démoniaque là dit comme ça, moi connais Jésus, moi connais Paul, mais ou même qui est souillé. Et les Jésus pas connaît on Satan comme ça tout oui. Et ça fait au cas un zombie ou facile. Yo ka cueillir ou facile. Yo ka détourner ou facile. Yo ka finir avec ou facile parce qu'on sans défense. Mais le bon Dieu connaît, les yo attaquer, bon Dieu répond pour. Le bon Dieu connaît, les chercher, yo pas ka joindre nous parce qu'on craché en devant Jésus. Le bon Dieu connaît, les yo relé, Jésus répond pour. Un magicien africain qui vient converti et puis le rapporter. Bon, le diable a demandé pour le bail. Il y a un monde qui me dit, il faut que son monde dans la famine. Et puis monsieur Gardel, il dit, bon, je vais pour un jeune, je vais pour un grand monde qui finit de vivre. Et puis il choisit un tonton. Le monsieur pote non aller, et puis cérémonie a fait pour les tontons. Mais il y a monsieur fait, tonton ça a son diacre dans l'église. Et puis il prend une vieille folle, ils sont vieilles sages. L'ampli charge avec l'huile. Les messieurs ont réuni, ont fait interpellation pour monsieur paraître, non cuvette blanc. Au lieu monsieur paraître, ils ont gardé un bout de bois paraître. Ils ont continué à faire interpellation, un deuxième bout de bois paraître, le deuxième bout de bois paraître, ils ont quoi? Mais ils suivent toujours et puis regardez yo en quoi gon goutte sang qui sorti et puis de l'eau dans qui va être la vie rouge yo pas encore cérémonie en gâté il y a quelque cérémonie qui fait sous dos Jésus gâté il y a quelque côté au relé Jésus gâté il y a quelque côté à l'derrière Jésus gâté il y a quelque côté aussi des noms Jésus gâté. Parce que le ciel connaît. Mais ouais, l'eau et le ciel pas connaît, gagnez les ouvres en flèche au hasard. Je te vois le sous voisin, mais c'est au point. Au hasard. Les vieilles sages, ils ont même pas raté le ciel parce que ils ont pas négligé l'essentiel, mais ils ont gagné le ciel. Parce que verset 10 a dit, celle qui était prête entrait avec l'époux dans la salle des noces et la porte fut fermée. Combien de monde qui voulait entrer avant la porte la fermée? Pas négliger l'essentiel. Combien de monde qui voulait être en sécurité tête avant la porte la fermée? Pas négliger l'essentiel. Combien de monde qui voulait être en dedans avant la porte la fermée? Pas négliger l'essentiel. Voilà pourquoi il est écrit Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
passeport qu'on besoin pour ciel là, c'est Saint-Esprit. Visa qu'on besoin pour entrer dans le ciel là, c'est Saint-Esprit. Carte qui va avoir droit d'accès pour entrer dans le ciel là, il doit gagner un seul saut, le saut de l'Esprit. Longtemps, il y a plus l'activité qu'on fait. Il a réalisé qu'il y a des gens qui font faux saut. Et puis pendant même 24, lui-même l'a 24 tout. Parce qu'il fait un faux saut. Quand il a changé ça, il fait un saut sec. C'est plus difficile pour changer ce saut. Et puis au matin des 4 là, la carte sans le saut est nulle. Et si son faux carte ou gagne, l'on paraît, il y a démasqué. Mais sous ces faux chrétiens, qui ça qui permet de démasquer, c'est parce que quatre par là, pas le sceau de l'esprit. C'est pas l'âge où qu'il faut entrer. C'est pas connaissance où qu'il faut entrer. C'est pas titre où qu'il faut entrer. C'est pas position dans l'église qu'il faut entrer. C'est pas étude qu'on fait qu'il faut entrer. C'est pas son possédé qu'il faut entrer. C'est pas combien de pays vous visitez qu'il faut entrer. C'est pas combien de monde qui connaît qu'il faut entrer. C'est pas combien de travail vous faites pour bon Dieu qu'il faut entrer. Mais il y a un seul bagage qui a besoin de votre droit de passage. Est-ce que cet esprit a sous? Et pour cet esprit, ça a été sous vous. Il faut goûter, il faut bataille. Parce que le diable a bataille avant lui-même pour le. Parce que pour gagner le ciel, il nous faut l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le Saint-Esprit. Il est évident, mes frères, mes soeurs, que la présence du Saint-Esprit, c'est l'essentiel. Et quand nous sortons à travers le texte là, l'essentiel pour nous mener une vie de piété dans le monde ça. L'essentiel pour nous connaître un vrai réveil dans le monde ça. L'essentiel pour nous gagner un vrai témoignage dans le monde ça. Et par-dessus tout, l'essentiel au salut. Même si vous oubliez toute bagaille, pas oublier l'essentiel. Que bon Dieu bénisse. Amen. Amen.